Bonjour à tous. Petite vidéo pour vous faire voir comment essayer de récupérer des batteries de drone Bebop 1 qui sont normalement HS. Voilà, petite astuce. Vous voyez que j'ai branché mon chargeur. Regardez pas le bazar qu'il y a autour. Voilà, j'ai juste branché mon chargeur, point final. J'ai une batterie qui est ici, qui est HS. C'est une batterie Jiffy Power, hein. C'est pas la batterie originale. C'est des batteries que j'achète sur AliExpress, parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Mais de toute manière, celle-ci n'a pas été chargée pendant plus d'un an. Et vous allez voir, on va le constater nous-mêmes. Hein. Voilà, elle est branchée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Au bout de 14, elle est pleine. Et quand elle est comme ça, au bout de 14 secondes, ça veut dire que vous allez voler une minute, même pas. Donc, elle vous dit qu'elle est morte. Parce qu'en 14, c'est pas possible. En 14 secondes, c'est impossible. Le petit truc, alors on va attendre que le voyant s'en remette au rouge. Enfin, s'éteigne surtout. Allez, on est parti. On l'emboîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, on force la charge. On attend qu'il s'éteigne, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on continue. On attend qu'il s'éteigne. Je l'ai mal mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais on a été trop loin là. Surtout pas aller jusqu'au vert parce que sinon il me le prendra pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va essayer de contre-basculer le vert. On va rebooster un peu la batterie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On y va tout doucement. Là, on est monté à 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ben non, je n'ai pas attendu qu'il s'éteigne. Voilà, faut surtout attendre qu'il s'éteigne. Hein. Si vous le mettez en contact, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est monté à 15. Tout à l'heure, à 14, il se mettait au vert. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On y arrive tout doucement. Faut qu'on arrive à passer ce cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, on va pas brûler les étapes. Et voilà, je sais, c'est long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais peut-être qu'elle est vraiment morte celle-ci, hein. Peut-être qu'on ne pourra pas la récupérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elle a du mal à vouloir passer, à mon avis. Elle est vide, vide, vide.
Mais ça m'étonne qu'elle soit vide parce que vous voyez, il y a toujours un peu de. Elle est à mi-charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va quand même continuer à la forcer. C'est à force de faire des petites charges. C'est juste lui donner des petits coups de charge pour qu'elle puisse redémarrer comme une batterie normale. Alors, je viens de le faire avec deux batteries, ça a fonctionné. Tout le monde vous dit de faire comme ça, mais personne ne vous le fait voir. Donc, moi, j'ai eu envie de vous faire voir. Mais je pense que celle-ci, elle est vraiment naze. En fait, il ne faut pas qu'elle passe au vert du tout, puisque de toute manière, il faut à peu près 5-6 heures à une batterie pour charger. Donc vous voyez, là, elle n'arrête pas de passer vert. On va essayer avec une autre batterie qui n'était pas marquée HS, mais qui fait pareil. Celle-là, j'ai volé 1 minute avec. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, on a de la chance celle-ci. Et ben voilà, on voit là une qui va ressusciter. Et ben il n'y a plus qu'à la laisser charger. J'en ai une deuxième sur un autre porte-batterie qui est en train de se rebooster aussi. Donc, ça va faire deux batteries de sauvées. En fait, à chaque fois, donc votre voyant est éteint, le voyant de votre chargeur est éteint. Voilà, ce voilà est éteint. Vous mettez votre batterie, vous comptez jusqu'à 10. Vous renlevez votre batterie. Vous recomptez jusqu'à 10, vous le faites 5 fois, mettons, jusqu'à 10. Et après, vous recommencez jusqu'à 20. Et après, vous recommencez jusqu'à 30. Une fois que vous voyez qu'à 30, elle ne passe pas vert, c'est bon, vous la laissez charger. Et là, vous allez bien voir si par rapport à d'habitude, alors faites un test avant, si par rapport à d'habitude, si d'habitude, il lui faut 10 ou 15 pour être au vert, vous allez voir que si vous arrivez à monter à 30, ça veut dire que vous avez reboosté votre batterie et qu'elle va pouvoir redémarrer. Juste pour vous donner une idée, comme ça, moi je viens de recommander des batteries parce que je pensais qu'elles étaient mortes. Et j'ai payé presque 50 euros la batterie quand même sur AliExpress. Livraison 2 janvier. Je dis ça, je dis rien. Voilà, les batteries de Bebop 1 sont devenues très très chères. Je pense qu'elles ont doublé de prix. Avant, j'en achetais à 10-12 euros la batterie, qui était bonne hein, à ce prix-là. Mais comme Bebop a décidé d'arrêter l'application FreeFly, ce qui est complètement faux, hein, moi je l'ai sur une tablette. Donc j'ai pu la transférer sur toutes mes. Je continue à voler avec mon Bebop. D'ailleurs, pour ceux qui auraient un Bebop 2 avec une ou deux batteries, ce serait sympa. J'en recherche. Voilà, je recherche un Bebop 2. Ah, pas cher du tout, hein, parce que après il faut que je me débrouille pour trouver l'application. Donc si je peux pas voler, bah, c'est vraiment à un prix d'ami, hein. Donc voilà, contactez-moi en MP dans ces cas-là si vous avez ça, un Bebop 2. Voilà, je suis de la vieille génération, moi j'aime bien ces drones-là. 14 mégapixels, ça vole hyper doux. Voilà, et c'est ce que j'ai besoin. Merci beaucoup les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!